les aigles se rassemblent. Lettre du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Cher ressort spiral, ressort moteur, fermier et femme au foyer, peu importe ce que Dieu vous a mandaté de faire, vous en êtes l'administrateur. Vous devez rendre des comptes à Dieu pour cela. Peu importe combien l'ennemi peut vous dire que vous êtes insignifiant, vous êtes si important pour Dieu que sa grande horloge ne peut pas fonctionner sans vous. Il vous a appelé, vous a choisi, vous a prédestiné et vous a donné une révélation de son glorieux message du temps de la fin. Il a confiance en vous à 100%. Vous êtes l'épouse même de Jésus-Christ, sa chérie, et il vous aime tellement. Il a continuellement averti les gens dans tous les pays. Repentez-vous sinon vous périrez. Revenez à la parole. Préparez-vous, quelque chose est sur le point de se produire. Ce temps est enfin arrivé. Dieu vient chercher son épouse, tout comme il nous a promis de le faire. Il a appelé sa roue à sortir de la roue. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné le glorieux message de Dieu du temps de la fin en disant « Ce qu'il a dit qui allait se produire ne s'est pas produit. Tout est toujours pareil. » Des générations passées avant que beaucoup de prophéties des prophètes de Dieu s'accomplissent. Mais néanmoins, elles se sont produites exactement comme il avait dit, parole sur parole. La Bible nous dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Avant que Dieu envoie le jugement pour détruire le monde du temps du gigantesque âge antédiluvien, Dieu a envoyé un prophète au monde. Qu'a fait ce prophète? Écriture. Il a préparé les gens pour ce moment-là. Noé a préparé les gens. Et c'était un appel de miséricorde avant le jugement. Fin de citation, frère Joseph continue. Noé a préparé les gens avant que le jugement dont il les avertit n'arrive. C'était la voie pourvue par Dieu pour ces jours-là. Le prophète de Dieu nous a dit que Dieu ne change jamais son programme. Ce qu'il a fait à l'époque, il le fait de la même manière aujourd'hui. Nous allons simplement nous en tenir au programme pourvu par Dieu pour aujourd'hui et appuyer sur play. Comme à l'époque, les gens disent que nous mettons trop l'emphase sur le prophète de Dieu. C'est le Saint-Esprit, pas William Branham. Nous répondons « Amen ». Nous n'écoutons pas l'homme. Nous écoutons simplement ce qu'il a dit. Écriture. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Fin de citation, frère Joseph continue. Mais, frère Branham vient de nous dire la semaine dernière, écriture. Maintenant, voyez, je vous ai toujours demandé de faire attention à ce que vous écoutez. Voyez, il y en a tellement que ce n'est que le côté humain. Je ne dis pas que le Seigneur m'a dit ça. Je crois, vous voyez, et je crois qu'il ne faut pas le faire. Fin de citation, frère Joseph continue. Quant à moi et ma maison, je prendrai ce que le septième ange messager de Dieu croit, pense ou même ressent, avant de prendre cela de tout autre ministre, évêque ou homme. Qui Dieu a-t-il jamais envoyé pour juger si ce que son prophète croit, ressent ou même pense est inspiré ou pas? Permettez-moi de vous dire qui selon moi. Écriture. Regardez Corée à l'époque où Dieu avait envoyé Moïse avec le message. Corée et Dathan se sont dit, ils se sont approchés de Moïse et ils ont dit, « Un instant là, tu en prends trop sur toi. Tu penses que tu es le seul caillou sur la plage, le seul canard dans la flaque d'eau, que tu es le seul. Figure-toi qu'il en a aussi d'autres qui sont saints. » Fin de citation, frère Joseph continue. Attention, le jugement est imminent.
Revenez à la parole originelle. Revenez à la voix de Dieu confirmée pour notre jour. Revenez au prophète de Dieu. Ce message, sa voix, elle doit avoir la première place et être la chose la plus importante pour vous. Il ne fait aucun doute que d'autres ont une voix et un appel pour prêcher et pour enseigner ce message. Mais les bandes, cette voix doit être la voix la plus importante que vous puissiez écouter dans vos foyers, dans vos voitures et plus important encore, dans votre église si vous voulez être l'épouse de Dieu. Venez écouter cette voix avec nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que le prophète de Dieu avertit le monde que la venue du Seigneur est imminente. Ce pourrait être la dernière fois. Frère Joseph Branham. Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Du 24, 7e mois 1963. Passage des Écritures à lire avant la réunion. Ésaïe le chapitre 38, le verset 1 à 5. Amos le chapitre 1.